m'en rappelle souvent. J'étais jeune, immature, et comme tous les jeunes qui comprennent pas, j'emmerdais. J'emmerdais le monde, les gens, l'école, le Père Noël et la société, jusqu'à ce que ce soit elle qui me dénigre. J'emmerde la société! Mon nom c'est Basile, B-A-S-I-L, sans E à la fin. Et ça fait 15 ans que j'emmerde tout le monde. Moi-même inclus, sans le vouloir. 15 ans que mon bras gauche fait le piqué, le troisième doigt bien en érection pointé vers le ciel. C'est quand l'entreprise qui m'employait m'a délocalisé en Papouasie. Ma femme a suivi mon patron, qu'il y a eu comme un déclic. Une baffe, un uppercut, comme un coup dur qui m'a fait voir le monde comme il l'est vraiment. Je m'appelle Gérard, 52 ans, chômeur irrécupérable, célibataire incompris. J'aimerais voir les gens bouger pourtant, les voir réaliser comme on les dirige comme des haricots dans une marmite, comme on les fait cuire dès l'enfance pour que plus tard ils soient bien à point, consommant un max, reniflant le profit, sans vraie valeur humaine, les yeux clos, les narines avides de croissance. Alors j'essaie de rassembler, je fais ça avec conviction, pour que les gens arrêtent de regarder tout droit et tournent un peu la tête. Gamin, déjà les docteurs criaient au scandale quand je débarquais dans leur cabinet. Y a pas d'employeur pour me filer un taf, pas de pote pour me filer une vie. Même pas une âme pour me comprendre et me filer un peu d'oseille. Je peux dire à aucune fille qu'elle fait vriller mes phéromones sans passer pour un gros fourbe. Puis les tâches ménagères qui finissent pas en cataclysme, c'est plutôt rare. Et la gueule, et les gens continuent à gober ce qu'on leur tend, sans brancher, matent des infos qui les rendent aveugles, cherchent pas à piger le monde, écoutent et matent des trucs qui n'ont pas d'autre morale que de consommer, de vendre, de faire tourner monsieur capitalisme en s'asseyant sur des choses graves. Courage, j'en ai pourtant. Sans permis aux fesses, je bouge comme je peux. C'est-à-dire à pied et toujours seul. J'aimerais être considéré comme un homme, travailler, vivre de passion, créer de mes deux mains, laisser une trace, un chouïa positif dans ce monde qui ne comprend pas. C'est-à-dire que je ne crois pas que toutes les races du monde, tous les gens du monde peuvent venir s'installer chez moi et, au frais du peuple français, voilà. Peut-être qu'en m'exprimant différemment, sans montrer ma poire, les portes commenceraient à s'ouvrir à moi. Manque de bol, je suis gaucher. Et ma main gauche fait un gros fuck. Dur de rendre un doigt d'honneur productif.
Lee, tu sais comment un comptable appelle sa femme? Sa trésorerie. Elle est bonne, hein? On a besoin de piment dans la vie, c'est sûr. Alors je me suis trouvé ma passion à moi. Ça aurait pu être le foot, les pédoncules, les timbres ou les drogues. Bah moi, c'est les gourdes, et j'en suis heureux. Quand la nature a accouché de l'espèce humaine, elle savait pas que son propre enfant allait la passer à tabac. La nature, c'est notre avenir. Et j'ai envie de croire qu'on sacrifiera un peu de notre bien-être pour que nos gamins vivent dans un monde moins corrosif. Je veux pas que la télé me lobotomise comme la populace. Alors je mate que des chaînes sans pub, souvent culturelles et en langues étrangères. Der Wald von Dandenong bedeckt eine große Fläche von Victoria im Südosten von Australien. Unser Reporter und Kräuterexperte Bernd Bürgmeister und der Kameramann Anstorp Müller haben 3 Tage dort verbracht, um Ihnen zu erklären, wie man in dieser wilden Gegend überlebt. In diesen südlichen Gebieten kann das Klima ungewiss sein. Lernen Sie, sich anzupassen. Extreme Kälte, Geschäfte, feindliches Gebiet oder Truppenregen. Wir haben uns für die Ausrüstung allgemeiner Abenteurer entschieden, kulturell gepasst und bequem. Die Pflanzen können Ihnen das Leben retten. Manche davon sind essbar, manche geben den Norden an. Kann es zahlreiche Taipane, Richter mit Spinnen und andere kleine Raubtiere geben. Langsam gehen ermöglicht ihnen Prosperity in Ägypten. Des fois, j'ai peur de dépasser les bornes. Peut-être qu'en amputant le problème, je serai garant d'une bourse. La société me dirait « Le pauvre bougre, il s'est enfin rangé. On va lui donner sa carotte, il peut vivre parmi nous. » Je ferai pas d'attentat sur moi-même pour qu'on me souhaite la bienvenue. Alors des fois je cache le problème. Je mets un carton pour cloîtrer ma honte. Mais l'homme cherchera toujours les choses qui lui causeront du tort. Alors ça fonctionnera pas longtemps. Alors parfois je me maquille en blessé. Mais la pitié ça t'apporte peu. On s'incline, on montre une once de respect. Mais les mains tendues, celles qui sont vraiment utiles et sincères, elles restent rares. Et la pitié, ça crée pas souvent d'emploi. De toute façon, la pitié, j'aime pas ça. Alors bah, je cherche d'autres idées. Mais les idées, bah, la société, elle s'en fout pas mal si t'es pas apte à te plier aux siennes. Avis à la population! Arrêtez de vous laisser diriger! Dites non à la manipulation! Dites oui aux valeurs humaines! Soyons libres et tolérants! Méditons les propos manipulateurs que la société nous inflige. Ne laissons plus les médias faire de nous des clones. Nous voulons vivre libre. Nous voulons vivre libre. Il y a des jours où t'as le cerveau tellement à plat que tout ce que tu fous, c'est un échec. Alors là, j'ai foiré mes objectifs. Il me fallait 3000, j'ai fait 2800.
Alors je risque l'annulation de ma prime, je passe pour un incapable, et là je croise un insolent. Je sais pas, faut comprendre, les autres auraient fait pareil. Tu foires ta journée, un type t'emmerde, bah tu serres le poing. Les gens devraient regarder au-delà de leurs frontières et des faits divers qu'on leur balance. Mais les gens restent assis. Je leur hurle d'être libres et ouverts, de conserver l'environnement, penser à leur prochain avant de penser à l'oseille. Mais rien, la foule se forme pas. Et les gens osent même pas emmerder le poteau auquel on veut les ligoter. Et puis j'ai vu ce type. Et l'espoir est enfin né. Enfin un qui ose emmerder. Montrer comme le monde l'exacerbe. Finalement, c'est peut-être ça l'idée. Te cacher la face parce que l'ennemi est grand et rusé, mais l'emmerder quand même. Thank you.